premier look, c'est un look avec un fameux manteau trench qui est très très annoncé. Et donc là, je l'ai acheté cet hiver chez Primark, 34 €. Et donc là, c'est un trench un peu laine, rose pâle, qui est porté avec la marinière, qui est une pièce vraiment emblématique du vestiaire BCBG classique et intemporel. Et le jean flair. Donc j'en ai déjà parlé, c'est un jean que je viens d'acheter chez Zara, que je trouve très très beau, très très chic, mais à porter vraiment avec des pièces très 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 chic, et notamment avec des talons hauts, des escarpins, du bout pointu. Donc voilà, vraiment ça c'est le look par excellence du style un peu BCBG. Pour très bien imaginer aussi ce look avec un trench camel, qui est quand même une pièce hyper forte aussi de cet univers. Donc là, c'est vraiment l'illustration de cette fameuse tendance qui est un peu les valeurs sûres, le bon goût, les bons tons. Voilà, là, on est sur du bleu marine, du blanc, du beige, du jean brut clean. Voilà, vraiment, c'est le bon goût, c'est rassurant. C'est des pièces qui sont rassurantes, qui sont vraiment des intemporelles du dressing. Voilà, donc là je porte un chemisier en soie de chez Massimo Dutti, qui est sublime et très fluide. Un manteau qui vient de chez Zara, blanc. Et le jean flair que je viens d'acheter chez Zara. Oufissime, oufissime. Alors, on peut bien sûr ouvrir davantage le chemisier. Pour montrer un petit peu la naissance du soutien-gorge, n'est-ce pas? Pour donner un côté un peu sexy au look. Voilà, c'est des pièces qui sont faciles, qui sont associées ensemble de manière très simple, mais c'est de bon goût, c'est chic, c'est rassurant, c'est facile. Nous avons le trench long noir qui vient de chez Zara, que je viens d'acheter. Un pull cachemire col V blanc, associé à un pantalon droit esprit pantalon costume de chez H&M, qui est en prince de Galles, et des mocassins dorés de chez Zara. Le pull en cachemire, j'ai acheté il y a hyper longtemps. Je vous avais vu, mais j'ai changé de décor. Je suis dans ma chambre pour éviter de faire trop de bazar dans mon salon. On verra ce que ça donne. Si en termes de lumière, c'est assez joli. Look suivant, donc c'est pour illustrer le thème robe plissée, jupe plissée. Donc vraiment, la jupe plissée, c'est une des pièces fortes de la thématique BCBG, avec associée au bleu marine. Donc là, j'ai une veste H&M cintrée bleu marine, qui est très agréable à porter. Avec une jupe plissée de chez Zara que j'ai payé 40 € il y a 6 mois, je crois. Et mes mocassins dorés de chez Zara. Là, c'est vraiment très très classique. Bon, c'est vraiment pour illustrer cette thématique. Dites-moi si ça vous plaît ou si vous voulez des choses beaucoup plus pointues. En tout cas, c'était bien de vous montrer un petit peu des intemporels. Look suivant, c'est le look BCBG par excellence. L'escarpin plutôt haut, qui vient de chez Zara. Le jean blanc droit, qui vient de chez Zara. Un petit pull en laine tout simple noir, qui vient de chez COS. Donc c'est un col rond, donc qui est en laine plutôt chaud. Et un petit foulard au cou. Alors, je vais bien vous le montrer. Voilà, c'est vraiment archi facile, mais c'est vrai que bon, ça fait son petit effet, plutôt chic, hein. C'est pratique, pratique, pratique. Bon, par contre, il faut savoir marcher avec des talons, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, en tout cas pas encore. Je ne désespère pas, ça va, je vais apprendre, je vais apprendre. En tout cas, ce qui est très très joli, c'est ce fameux foulard. Notamment, ça fait penser un petit peu au foulard Hermès. Bon, je n'ai pas de foulard Hermès, mais c'est vrai que j'ai une amie qui en a. Et c'est plutôt sympa parce que ça donne vraiment de la couleur au look. On peut le porter dans les cheveux, autour du cou, à la taille, au poignet. Plein de possibilités. Autre pièce vraiment dans le
La garde-robe très BCBG, c'est la fourrure. Donc là, je porte une fourrure que j'ai achetée chez AliExpress et avec un foulard. Et là, je mets le foulard un petit peu différemment, un peu plus lâche. Et donc, ça donne un côté un petit peu aussi cowgirl, qui est assez marrant. Voilà. Donc voilà, le look de tout à l'heure avec le pantalon Zara et de la fourrure. Donc ça c'est sympa, moi je suis hyper contente de pouvoir porter ma fourrure le plus longtemps possible parce que c'est vrai que finalement quand c'est court comme ça, l'hiver, ça tient pas suffisamment chaud. Donc là, en entrée de saison, c'est plutôt pas mal.